Aujourd'hui, je suis une femme et j'ai le droit de vote. C'est pas venu par hasard. Alors je vais vous parler de deux livres qui retracent un peu ça du côté de l'Angleterre. Les deux livres dont je veux vous parler ont été édités assez récemment. Suffragette d'Emmeline Pankhurst, on est aux éditions Ampelos. Jeunesse d'une militante, ils n'ont jamais édité le tome 2, j'y reviendrai. En français. Et l'histoire des suffragistes radicales de Jill Lindington et Jill Norris aux éditions que j'adore de Libertalia. Je commence par vous parler de celui-là. Alors, on est encore une fois dans la collection Histoire de ceux d'en bas. Donc là, je vous renvoie à Marcus Rediker et à ces choses-là pour comprendre. L'histoire des suffragistes radicales, c'est un livre qui a été édité dans les années 70 et qui a été une véritable référence, d'après ce que nous dit la préface française, hein, j'ignorais l'existence de ce livre avant de le voir chez Libertalia. Et ça a été une véritable référence dans l'historiographie féministe et ça a notamment amené, lui et d'autres, hein, mais la création de chaires d'histoire des femmes. Alors, Jill Lindington et Jill Norris n'étaient pas des historiennes, mais elles ont adopté une démarche véritablement scientifique qui repose notamment donc, sur la collecte d'archives, la reconstitution d'un milieu socio-culturel, donc celui des suffragistes radicales, et sur des témoignages. Alors, on peut présenter un peu le livre. Il coûte 17 euros. Il est assez gros, j'ai des petites mains. Un peu lourd pour le métro, mais ça va. En plus, c'est un page-turner, comme on dit. C'est vraiment passionnant. Le bouquin ne s'intéresse pas à Emmeline Pankhurst, même si elle est très mentionnée dans ce livre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous parler des deux en même temps. Et je les ai lus l'un à la suite de l'autre. Je vais commencer par celui-ci. J'en attendais la publication avec impatience. Et il est traduit de l'anglais par Laurent Burie. J'ai rien à dire sur la traduction. C'est vraiment bien. Libertalia, c'est toujours la maison d'édition que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de comprendre comment des femmes ont milité pour obtenir le droit de vote, c'est-à-dire une existence politique. Alors le contexte, donc je connais moins le contexte anglais que le contexte français, et encore, c'est très compliqué l'histoire du droit de vote en France, je suis sûre que j'en reparlerai. Et cette histoire, donc en Angleterre, on la connaît pas mal maintenant, le film le plus connu, c'est celui qui a amené la traduction de celui-ci, hein, le livre du film. Alors ça c'est un bandeau là qui passe autre part dans ma chambre. C'est l'histoire donc des suffragettes autour d'Emmeline Pankhurst et de sa famille. C'est une histoire en fait beaucoup plus courte, beaucoup plus violente. Ce qu'ont voulu démontrer Jill Lindington et Jill Norris, c'est qu'en fait cette histoire du suffragisme, elle est beaucoup, beaucoup plus ancienne et elle commence grosso modo, on peut le dire, dans les années 1860 avec énormément Ouais, c'est ça. On a en fait. Alors, c'est un livre qui est vraiment très riche. Il fait plus de 500 pages, 550 environ. On a à la fin une chronologie. Et une chronologie qui débute en 1867 par la proposition d'un amendement au second Reform Bill par John Stuart Mill. Donc, là aussi, qui est connu par ailleurs, parce que c'est un philosophe anglais qui a notamment milité, entre autres choses, pour l'égalité des sexes, comme on disait à l'époque. Le but des deux historiennes est de montrer en fait comment l'histoire beaucoup plus courte et beaucoup plus spectaculaire des suffragettes dans les années 1900-1910 a été une occultation, a amené en fait une invisibilisation d'un militantisme beaucoup plus ancien et d'un militantisme ouvrier. Le sous-titre, et il est vraiment important de ce livre, c'est Le combat oublié des ouvrières du nord de l'Angleterre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir déjà que le féminisme n'est pas du tout une question bourgeoise, puisque là on part des ouvrières et notamment des ouvrières du textile. Alors, le bouquin, je reprends la table des matières, est quand même super bien foutu et hyper complet.
Alors, quand elles ont mis ça en place, le sommaire avant la table des illustrations, donc on a une préface à l'édition française, à une réédition de 2000, plein de choses qui permettent de comprendre le contexte de la production de cet ouvrage dans les années 70 et des méthodes qui ont été employées. Et ensuite, on a le livre proprement dit, qui a été, nous dit une des deux autrices, puisque l'autre est décédée, très long et très compliqué à produire. Alors l'ouvrage s'articule en deux parties, première, deuxième. Toute la première partie me paraît absolument essentielle pour tout ce qui est de l'histoire des femmes, de l'histoire ouvrière, de l'histoire des idées, de l'histoire de la sociabilité. Je vous lis rapidement ça. Alors hop, on la voit ici. C'est-à-dire que la première partie, qui étaient les suffragistes radicales? Et là, on comprend que suffragiste n'est pas égal à suffragette. La vie quotidienne des ouvrières. On est bien dans l'histoire d'en bas. Hein. Lincolnshire? Je suis vraiment pas bonne en anglais. Au 19e siècle, le vote des femmes à Manchester, tisseuses et bobineuses, les emplois hors des filatures, apprentissage politique, les femmes et le socialisme. Alors en fait, les autrices, là, fonctionnent exactement comme le fait Marcus Rediker, mais après. C'est-à-dire que elles isolent un lieu, qui est un lieu de production, pour montrer à quel point ce lieu de production, donc l'usine, est aussi un lieu de sociabilité. Et elles choisissent, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué à la lecture, de présenter l'ensemble de ces métiers en retraçant en fait la production du coton, la production textile en Angleterre. Alors, le fait que cette production est appuyé sur l'empire colonial et mentionné, mais ce n'est pas le sujet du livre, hein, il s'agit quand même de se concentrer donc sur cette production et sur l'importance de cette production, non seulement pour le nord de l'Angleterre, mais pour l'ensemble de la Grande-Bretagne et une contextualisation économique mondiale et rapidement faite. Mais à partir de cette délimitation du lieu de l'usine, donc d'abord de la région, puis des usines, ce sont les différents métiers de ces femmes, des métiers auxquels elles avaient accès ou pas accès, en fonction de leur sexe, en fonction de leur appartenance ou non à des familles ouvrières, comment se passait la vie dans une famille ouvrière, comment se passaient les tâches domestiques pour ces femmes, est-ce qu'elles travaillaient ou pas, etc., quels étaient leurs besoins, et comment elles ont commencé à militer. C'est là aussi qu'on voit que la sociabilité politique militante ne s'est pas faite du jour au lendemain et c'est en réalité complètement adossé au militantisme ouvrier, notamment travailliste ou socialiste. Alors, ça c'est notamment le cas dans la sous-partie les emplois, pardon. Donc il y a les emplois hors des filatures hein, pour montrer aussi que l'usine n'est pas seulement un lieu. Mais c'est la sous-partie apprentissage politique, les femmes et le socialisme, qui montrent ces aspects-là de façon très cruciale. La deuxième partie est plus directement liée aux campagnes suffragistes, à l'activité des Pankhurst, donc des suffragettes, et je vais y revenir à Manchester, comment ce mouvement suffragiste. Donc, il y a un mouvement éclaté d'usine en usine, entre différentes associations politiques, avec des objectifs parfois différents. Donc, comment celui-ci a évolué, comment celui-ci a négocié avec le Parti travailliste, et donc aussi comment le Parti travailliste est né. J'ignorais complètement ces choses-là. Et comment la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, a mis fin aux espérances de ces ouvrières. Alors, le livre est écrit d'une façon limpide et c'est très important. Il s'appuie alors non sur le témoignage des suffragistes elles-mêmes, sauf quand elles ont pu. Alors, on voit en fait comment elles militaient. La presse, des articles, elles ont lancé leurs propres journaux, comment elles se faisaient conférencières itinérantes, comment des femmes de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie ou de la noblesse pouvaient financer des conférencières ouvrières pour qu'elles se déplacent et aillent parler comme cela dans les usines, quel accueil leur était fait, un accueil quand même souvent difficile, mais les choses étaient plus compliquées avec les Pankhurst encore, et comment l'ensemble de ce mouvement s'est organisé, comment ces femmes se sont organisées.
Alors, chose vraiment importante, on a des biographies, des militantes aussi loin que possible, donc une chronologie, le texte lui-même. Et une partie importante de la documentation repose sur les témoignages, dont des suffragistes, car dans les années 70, bah, elles étaient déjà mortes, mais de leurs filles. Et en fait, les deux autrices ont été interviewées, les filles, donc âgées au moment des enregistrements, de ces militantes suffragistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e, pour qu'elles témoignent de l'activité, de ce qui se passait, comment elles pouvaient aussi partir avec leurs enfants. Et bon, là, on est vraiment dans une histoire qui, dans son sujet, dans sa méthode, est bien une histoire de ceux d'en bas et une histoire profondément féministe. Alors, là où je trouve que les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est quand on voit les reproches et réguliers que font Jill Ellington et Jill Norris à Emmeline Pankhurst et surtout à Christabel Pankhurst, sa fille. Et c'est là que je peux vous présenter donc ce deuxième livre, Emmeline Pankhurst, suffragette, jeunesse d'une militante. Le deuxième volume n'a pas été traduit en français, malgré l'annonce d'Angelos dans le volume et que j'ai trouvé sur Internet. C'est super dommage. Alors, Ampelos, c'est une toute petite maison d'édition que je ne connaissais pas. Le livre est de 2015. Là, il faut le commander sur Internet, on ne le trouve pas en librairie. La Révolution des femmes, le deuxième volume, est annoncé pour décembre 2015. Je ne tarderai pas à le lire en anglais, je ne peux pas attendre, mais c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, je suis obligée, et ça me fait vraiment peine, de signaler donc la traduction qui a été faite par les éditions Ampelos, donc toute petite maison d'édition protestante, n'est pas très bonne. Et contient pas mal de fautes, quelques lourdeurs, donc des fautes même d'orthographe ou de syntaxe. Je pense qu'il faut quand même lire l'ouvrage, qu'il faut quand même soutenir la maison d'édition, qui a dû espérer un succès de librairie en surfant sur le succès du film, et les choses ne se sont pas passées comme cela. Ça reste extrêmement précieux d'avoir en français une traduction de l'autobiographie d'Emmeline Pankhurst. Et là, je vous présente ça rapidement. Donc, Emmeline Pankhurst, suffragette. Au départ, suffragiste, hein, donc elle a milité avec les suffragistes, notamment du nord de l'Angleterre, et c'est bien rappelé par Lidington et Norris, mais Emmeline Pankhurst, donc une femme bourgeoise, a trouvé elle-même, ainsi que sa fille Christabel, que ce militantisme n'agissait pas assez vite, et elles ont décidé de fonder une association uniquement dédiée à la question du suffragisme pour réclamer le droit de vote. Ce qui n'était pas le cas en fait des suffragistes radicales du nord de l'Angleterre et qui elles s'inscrivaient dans un mouvement ouvrier beaucoup plus vaste. Ces suffragistes militaient elles beaucoup plus globalement pour les salaires, la possibilité de se syndiquer dans les mêmes syndicats que les hommes, d'avoir accès à de meilleurs emplois, à de meilleures conditions de travail, enfin, qui mettaient de façon sociale beaucoup plus vaste, alors qu'Emmeline et Christabel Pankhurst ont mis en place une association pour le suffrage féminin, beaucoup plus offensive, mais qui n'avait qu'un seul objectif, le suffrage. Et c'est là, en fait, que les choses sont un peu différentes. Alors, Emmeline Pankhurst est quand même très connue. On connaît ce genre de photos, Emmeline Pankhurst évacuée par la police, et elle a elle-même écrit son autobiographie, qui a été publiée en 1914 à Londres, hein, pour les premières éditions. On a une préface qui fonctionne pas mal. Alors c'est un livre qui est vraiment intéressant parce que Pankhurst a voulu exporter sa campagne aux États-Unis. Donc, elle écrit à la première personne, donc jeunesse d'une militante, elle explique rapidement son enfance et comment elle en est venue à fonder son association. J'ai oublié son nom. Mais alors là, je vais encore parler anglais, ça sera toujours aussi ridicule. Et comment, en fait, elle a soutenu aussi le mouvement suffragiste de suffragettes aux États-Unis, donc que je connais encore mal, par différentes campagnes de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça,
ça change en fait la façon dont elle a écrit le livre. Donc le livre est écrit de façon très calme, posée à la première personne, puisque c'est une autobiographie. Mais elle va également expliciter le fonctionnement législatif, parlementaire de l'Angleterre. Elle traduit les prix en dollars, etc. Parce que le public, en fait, c'est les féministes américaines. Donc ça, c'est vraiment une chose que je trouve intéressante. C'est un livre de combat. Et qui explique pourquoi combattre, comment on en vient à ce combat-là. Et qui, en même temps, répond à nombre de critiques. Parce que elle-même est donc venue à ce militantisme féministe parce qu'elle travaillait en fait dans des organismes sociaux en Angleterre et s'est rendue compte de la pauvreté des femmes et a estimé que c'est en donnant aux femmes un rôle politique fort qu'elles pourraient avoir une voix et être entendues. Et c'est en fait ça amène des différences très très nettes entre les suffragettes et les suffragistes. Les suffragistes ont un travail plus syndical, quand les suffragettes ont commencé par le parlementarisme, et notamment à Londres. Donc en faisant du lobbying, hein, littéralement, en occupant les couloirs de la Chambre, en faisant du barouf, du charivari, ce qui est une manifestation politique, devant le domicile officiel du Premier ministre, etc. etc. Et jeunesse d'une militante montre déjà comment la silenciation totale des revendications politiques des femmes, la façon dont elles ont été ridiculisées, a amené un crescendo de violence que l'on connaît. Bris de vitre, ce qui en fait était une expression de désaccord politique très forte et institutionnalisée en Angleterre. C'est pas une chose qu'elles ont inventée, mais le fait que les femmes le fassent est un scandale. Manifestations publiques, donc occupation des chambres. Et elles en ont ensuite été totalement exclues, ce qui était nouveau. Le barouf, là aussi, donc charivari lors des meetings politiques. Elles nous ont notamment beaucoup visé Churchill, pour montrer en fait leur poids, leur importance. Ça n'a pas fonctionné. Mise en place de ce qu'on a appelé le chat et la souris, c'est-à-dire en fait quand les policemen anglais ont commencé à harceler les suffragettes. Emprisonnement, comment se passe la vie en prison, grève de la faim en prison, ce que fait une grève de la faim, jusqu'au gavage. C'est apparemment dans le second volume, s'il vous plaît, c'est édition Apelos, que la pose des bombes, les incendies matériels et le suicide de Davidson seront mentionnés. Il faut que je le lise en anglais. Alors, sur ce qui est. Les deux ouvrages sont illustrés, j'ai oublié de vous le dire. Dans le cas des suffragistes, on a des reproductions super belles en milieu d'ouvrage, d'affiches, de photographies d'usines. Donc, sur des pages plastifiées, les fameuses pétitions, ce que ça a donné, et on a bien sûr des éléments qui reviennent d'un ouvrage à l'autre. Hop, les manifestations. On voit un peu tout cela, donc à partir de cartes postales, d'archives de presse, etc. Chez Pankhurst, on a aussi quelques photos, donc, hop là, de violence policière, voilà, qui comme ça émaillent l'ouvrage et qui montrent, alors la nuit du recensement, donc là ça a été une action politique où les femmes ont refusé d'être recensées puisqu'elles n'étaient pas considérées comme des sujets politiques. On voit une créativité dans l'action politique assez hallucinante. Et une force et un courage assez hallucinants. Alors, Emmeline Pankhurst justifie aussi son choix d'avoir mis en place des. Emmeline Pankhurst. Et l'inspecteur Wells, donc arrêté par la police, ce que cela donnait, etc. On voit en fait à quel point tout. Ce qui est considéré comme une violence du militantisme a été quand même assez mûrement réfléchi, mis en place, étudié, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, vraiment très impressionnant, et comment cette bataille a été juridique et médiatique dans le cas des Pankhurst, chose que les suffragistes ont beaucoup moins fait. Et là, si on veut réfléchir au sens d'une action politique, au choix des modalités d'action, donc violente ou pas, quoi.
qu'est-ce que ça donne? C'est extrêmement important. C'est aussi un témoignage direct qui inclut des témoignages, donc des suffragettes, sur la grève de la faim, comment les grèves de la faim ont affecté temporairement, mais aussi durablement, les suffragettes, et comment ces grèves de la faim ont été mises en place, parce que les suffragettes voulaient être reconnues en prison, non comme des délinquantes, mais comme des prisonnières politiques. Et ça a fini par marcher. La chose extrêmement fine d'un point de vue politique, mais qui est, on le voit dans l'histoire des suffragistes radicales, a en même temps totalement occulté les revendications sociales des suffragistes ouvrières du nord de l'Angleterre, qui ont été assimilées aux suffragettes et d'une façon hyper, hyper violente. Ce que l'on voit également, c'est comment l'intubation, enfin le gavage, se passe. Et comment celui-ci a été illégal. Là, le premier gavage, c'est celui de Madame Less, en prison, hein. Donc ce sont des médecins qui sont acquisitionnés pour administrer cette opération d'alimentation forcée pour briser les suffragettes, alors que c'était totalement illégal. Comment les choses se passent? Alors je suis à la page 151. Surprise, elle, donc c'est Madame Leff, ne put résister. Ils réussirent à lui faire avaler un peu de nourriture avec une tasse. Plus tard, deux médecins et des gardiennes arrivèrent dans sa cellule, la couchèrent de force sur le lit. À sa grande horreur, les médecins sortirent un tube de caoutchouc de 2 mètres de long et commencèrent à l'insérer dans sa narine. Et ouais, ça se passe par la narine. La douleur fut si terrible qu'elle hurla sans arrêt. Trois des gardiennes éclatèrent en sanglots et le jeune médecin supplia l'autre de renoncer. Ayant eu ces ordres du gouvernement, le médecin-chef persista et poussa le tube dans l'estomac. C'est long, hein? Un des médecins, debout sur une chaise, tenait le tube et versait un liquide alimentaire dans un entonnoir, étouffant presque la pauvre victime. Mes tympans, raconta-t-elle plus tard, semblaient prêts à exploser. Je pouvais sentir la douleur jusqu'à mon sternum. Quand finalement le tube fut retiré, j'eus l'impression qu'on arrachait mon nez et ma gorge. Presque évanouie, Madame Leff fut ramenée au cachot et déposée sur son lit de planches. L'épreuve se renouvela chaque jour. Les autres prisonnières subirent des expériences similaires. Alors on voit que Emmeline Pankhurst, pour habile communicante qu'elle ait été, utilise un ton très sobre et très factuel. Et je pense que c'est vraiment important de montrer, parce que voilà, on ne raconte pas toutes ces expériences, mais là, il s'agit vraiment de montrer, ok, on dit qu'elles ont été gavées, qu'est-ce que ça voulait dire? Les images qui caricaturaient les suffragettes, ça ne le mentionne pas, à l'époque, sont particulièrement amusées et ridiculise leur combat, qu'est-ce qui se passait réellement dans ces prisons. Alors ce qu'on ne voit pas encore dans ce volume, puisqu'il faut le deuxième, c'est que c'est justement la violence dont a fait preuve la police à l'encontre des suffragettes qui finalement leur a rallié nombre de soutiens. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir de ces deux ouvrages? L'histoire des femmes, c'est quand même quelque chose qui, et l'histoire féministe, permet un énorme élargissement des documents. Enregistrement, archives inconnues, contextualisation, comment aussi on peut essayer de retrouver la trace de ceux qui n'en ont pas laissé parce qu'ils n'étaient pas les vainqueurs de l'histoire, témoignages personnels, photographies, comment elles ont elles-mêmes, soit les historiennes des années 70, soit les militantes, redonné à comprendre leur action. Et comment penser le choix de la violence en politique, en militantisme. Là, on voit vraiment entre les suffragistes radicales et les suffragettes deux choix absolument antagonistes, au départ complémentaires, qui en fait ont tous les deux échoué, puisqu'il a fallu la fin de la Première Guerre mondiale pour que le droit de vote soit enfin un droit de vote plus universel, c'est-à-dire pour que les femmes puissent voter. On ne leur a pas accordé le droit de vote, hein, elles l'ont arraché.
Et là, on se rend compte aussi que, en fait, pour qu'Emmeline Pankhurst puisse lancer les suffragettes, il a fallu un suffragisme depuis les années 1860. On compte, ça fait plus de 50 ans de lutte silencieuse, qu'il s'agit aussi de redonner à entendre. Là, ce sont des choses que je trouve extrêmement émouvantes. De savoir comment ça s'est passé, comment même donc les petites filles des suffragistes ont gardé un souvenir de l'activité de leur mère, de leur tante, et arrivent à le restituer, sont contentes d'enfin pouvoir en parler. Comment beaucoup d'ailleurs de ces suffragistes ont elles-mêmes écrit leur autobiographie pour les détruire, ou que ces textes soient perdus. Quels étaient ensuite les positionnements par rapport à la guerre? Emmeline Pankhurst s'est totalement ralliée à l'effort de guerre, alors que les suffragistes ont continué à être pacifistes et antimilitaristes. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce que cela concorde avec les choix militants préalables. Comment les unes comme les autres ont choisi de s'organiser? Quand est-ce que se pose la question de la non-mixité? Comment on s'organise? Et chez Emmeline Pankhurst, le déni de démocratie de son association est revendiqué, puisqu'il s'agit de mettre en place une association extrêmement offensive pour aller vers le droit de vote de la façon la plus efficace possible, en se dévouant corps et âme à cette cause. C'est quelque chose d'assez fanatique. Est-ce que... et qui n'a pas mal fonctionné? Mais à quel prix? Au prix des autres causes. Énormément de questions dont je n'ai absolument pas les réponses. Réponses donc que l'on a un peu par ces différents ouvrages. Je vous conseille vraiment de lire les deux. Voilà. En français, en anglais. Alors aussi parce que les autrices... de l'histoire des suffragettes, des suffragistes radicales sont très sévères à l'égard d'Emmeline Pankhurst, mais là, on peut réussir à avoir quelque chose d'absolument complémentaire. Bon, il y a encore énormément d'autres ouvrages pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à avoir cette idée que, oui, les femmes sont des sujets politiques aussi. Et qu'est-ce que ça change et quels étaient les arguments? Enfin, je pense que c'est vraiment une chose très intéressante. Bon, au même moment, en France, des journalistes comme Séverine, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, ont été, elles, plutôt anti-suffrage parce qu'anarchistes, etc. Et là, on peut encore compléter ces réflexions profondément politiques et sur lesquelles les positions des femmes, positions hyper diverses, ont été très dissemblables et sont quand même souvent toujours d'actualité. Donc belle réflexion politique. Littérairement, on n'est pas sur des textes de littérature pure, de grand style. Je crois qu'il faut aussi savoir apprécier la sobriété et la transmission des informations. Le choix qu'ont fait les historiennes de montrer les différents métiers à partir de la circulation du coton dans l'usine est quand même un choix littéraire, un vrai choix littéraire. Et c'est aussi, en fait, dans les deux cas, des ouvrages qui se concentrent sur la parole des femmes elles-mêmes. Et là, je crois que c'est vraiment une chose qui est importante, et que la question de la littérature, ici, finalement, se retrouve ou se subsume sous celle de la parole. J'espère que ça vous plaira. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur, non pas la jeunesse du féminisme, ça commençait bien avant, mais du féminisme actuel, oui, je crois. Je vous dis à bientôt.